Au départ, quand j'ai lancé l'idée, c'était de se dire, ceux qui n'ont pas pu venir à Genève au mois de mai dernier, on va faire une séance, on va dire, de rattrapage pour Lausanne. Et on avait des ambitions de faire venir 300 à 400 personnes. Et hier soir, on avait plus de 700 inscrits en ligne, dont juste 10% qui étaient déjà venus à Genève. Donc, en fait, c'est une belle surprise. Et on aborde finalement l'event assez bien. Ce qui diffère Lausanne de Genève, c'est que Lausanne, c'est plus un format conférence. Donc, c'est les conférences qui ont été mises en avant. On a un espace de business corner qui sont des petits stands où on va faire de la relation client, mais plutôt en tête à tête. C'est pas un salon. Genève est un salon, donc avec une grande zone d'exposition. Donc, la grosse nouveauté, c'est bien sûr qu'on s'est rapproché du salon TopSoft, qui est un salon spécialisé sur les logiciels d'entreprise. Et on a uni finalement nos forces pour qu'on ait deux events en un à Lausanne. Alors, le partenariat, en fait, c'était le hasard. J'avais prévu de faire la Suissicom conférence le 1er décembre, donc le jour où elle se déroule aujourd'hui. Et le salon TopSoft devait se dérouler début novembre. Et finalement, on s'est appelé. Et puis, on s'est dit, pourquoi faire sur un marché comme Lausanne, deux événements à IT à un mois d'écart au même lieu? Est-ce qu'on pourrait pas trouver une entente et des synergies? Ça s'est très bien passé avec les gens de TopSoft. Et voilà. La prochaine, c'est Genève, en 2012, le 24 avril. Donc là, c'est un teaser, puisque c'est la première fois que je l'annonce officielle. Le e-com Genève, donc on repart sur les bases du e-com 2011. Par contre, il y a beaucoup de changements. Déjà, on change de lieu, puisqu'on part au Palexpo. On change de surface. On était sur 1 700 m² en 2011 à la Praille. Là, on double la surface, on double le nombre d'exposants, on double le nombre de conférences. Et on va ouvrir également e-com, qui était très e-commerce, à toutes les technologies IT et notamment les logiciels d'entreprise business software. Et en parallèle, on monte un salon de recrutement informatique, puisqu'on est en pénurie de main-d'œuvre en Suisse. Donc le même jour, sur le même lieu, il y aura un espace dédié au recrutement. C'est le Swiss IT Jobs, pour le nommer.